Tu sais que je suis incapable de faire ça. Je sais que t'es incapable, la dernière fois t'as pas réussi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle année, l'année 2020, l'année du... Bonheur. Pas mal. L'année du vin, c'est bien aussi. L'année du vin, c'est... Non mais parce que... C'est simple. On n'est pas que de l'alcool. Hein. C'est pas de l'alcool, c'est de la tradition, c'est le terroir. Et en parlant de tradition, on va goûter les galettes des rois. Ça fait longtemps que je voulais le faire, on va goûter une galette des rois à 5 balles. Et ensuite, on ira goûter une galette emblématique de Paris, qui est un truc de malade mental. Et celui qui aura la fève aura le droit d'aller manger dans le resto de son choix, dans lequel on a tourné. Et là, vous vous dites, qui sont ces gens? C'est des potes à moi qui ont des chaînes YouTube que je kiffe énormément. Thibault, il a une chaîne d'histoire qui est incroyable. Il y a Mabiche qui est une DJ que je kiffe, que j'ai rencontré avant de vomir en boîte de nuit. Ben, il voyage dans le monde entier, il fait découvrir de la bouffe, aussi de l'alcool, aussi plein de pays, plein de trucs. Vous avez faim? Oui. Ah bah c'est parti. Let's go. Donc nous voici dans l'un des restaurants de chez Pierre Sang qui nous prête les lieux parce que lui ne fait pas de galette des rois. Et du coup voici la merveille. Voici la merveille que Hugo a acheté. Tu l'as acheté combien Hugo? 5 euros et quelques. Ça m'a l'air déjà trop cher. Est-ce que tu vas réussir à l'ouvrir ça? De ouf. C'était la pression. Les cuisiniers sont en pause donc on va la taper froide. Ah, tu tapes un croc et tu la fais tourner. Allez on s'en fout. Toi qui as une chaîne d'histoire. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire autour de la galette ou pas? Moi je connais 2-3 bails. L'origine de la galette c'est romain en fait, c'est romantique. C'est le dieu de Dionysos non? Eh non, c'est Saturne en fait, mais presque. Oh je suis tombé sur la fève. C'est moche. Et ça date de ça. Et ça a été repris partout ensuite. Mais en vrai, à la base, c'est vraiment une fête païenne, c'est un truc de romain. Et il y avait la fève déjà à l'époque? Il y avait vraiment une fève à l'époque. C'était une vraie fève. Du coup, c'était une fève de haricots, ouais. Donc c'était une vraie fève. Ah, une vraie fève de haricots, ok. Et celui qui l'a trouvée était le roi pour la journée. Celle-là, allez, pour qui c'est toi qui décide? Celle-là. J'ai mis mon doigt dessus. Pour Ben. Tu m'as donné la plus petite, donc je m'économise pour la meilleure en fait. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais, parce qu'on va en goûter pas mal après. Hein. Merci. Merci. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun suspense. La frangipane est belle déjà. Oh! Quelle surprise! Oh, il y en a deux! Ça, c'est magnifique. Le bâtard! J'ai cru! Ah, il est fort. Chaque galette des rois, tu l'appelles, elle est magique cette blague. Qu'est-ce que c'est? C'est un chien? Non, je pense que c'est un chien rose. Ouais, 5 euros la fève, elle est pas. Elle est pas ouf. Comment qu'on appelle les gens qui collectionnent les fèves? J'en ai aucune idée. Les fabophiles. Si, c'est vrai? Fabophiles. Non, fabophiles. Tu peux lire, s'il te plaît, ingestion? Fabophile. Non, fabophile. Voilà, donc tu me feras... On changera cette partie-là de l'équipe. Alors, déjà, on va la goûter. Enfin, on va la goûter, il y en a qui... Moi, je la défonce, excusez-moi. J'ai même pas tapé un croc. Non, mais quand t'as l'habitude de manger des pizzas froides, ça passe. Hein. Ouais, exactement, il y a un côté comme ça, ouais. Toi, t'as tout mangé, toi. Ouais. Mais... Ah ouais. T'as cru que j'étais venu pour faire de la figuration, en fait, comment ça se passe? Non, mais je vois. De toute façon, quand t'as 55 000 abonnés sur ta chaîne, mais tu manges pas à ta faim. C'est ça, bah ça, on est pour. Vas-y. On est pour. Et tout à l'heure, donc, il va avoir une fève aussi sur la galette de ouf. Et j'avais un petit jeu à faire, c'est que celui qui tombe sur la fève, il choisira le resto qu'il veut que j'ai fait sur la chaîne. N'importe quoi, les sushis à 200 balles, le restaurant dans le noir. Moi, franchement, vous avez pensé quoi de cette galette? Ça va? C'est pas ouf parce que aussi elle est froide et j'ai pas géré là-dessus. Ouais. Je peux pas critiquer, j'en ai mangé toute ma vie depuis que je suis petit des galettes comme ça. Donc. En fait, le mieux c'est d'attendre de voir comment sont les autres, tu vois. Je vais pas retaper un coup comme ça, je vais la donner à Hugo. Hugo m'attarde. Les dessous YouTube, comment payer une équipe technique? Tu pourrais faire ton cachet ou un croc? Mais je pense que tout à l'heure on va vraiment se régaler parce qu'il va les faire aussi, il va les terminer, il va les faire cuire devant nous. J'ai pas voulu prendre une galette extrêmement chère. En gros, c'est une galette qui coûte 40 euros. Et pour moi, c'est vraiment le prix maximum pour une bonne galette. Il y a des galettes à Paris qui valent 60, 75 balles. Hein. Et en fin de compte, c'est une galette qui a été faite suivant les rosaces de Notre-Dame de Paris. C'est un truc de malade. Elle est en vente que deux week-ends par an. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est chez French Bastard. Et c'est ouf. Donc les amis, je vous présente Julien, qui est le boss, le French Bastard. Raconte un peu ton histoire, t'as commencé en Australie, non? J'ai commencé en France il y a 10 ans. Je suis resté 5 ans en France. Après, je suis parti travailler à Tel Aviv, en Australie et à Londres. Après, je suis rentré à Paris. Et j'ai contacté Manu et David, qui étaient des amis d'enfance à moi, pour leur proposer de partir à l'aventure. Allez, vas-y, on se lance dans la boulangerie, il y a quelque chose à faire. Il faut mettre un peu de jeunesse dans tout ça, etc. etc. Ils sont pas boulangers. Non, mais David a fait une reconversion professionnelle en boulangerie, pour savoir quand même de quoi il parlait. Et Manu, il a fait une grande école de commerce. Du coup, il s'occupe de tout ce qui est développement, marketing. Là, tu vas nous faire une petite galette, c'est ça? Pour moi, ouais, tu fais ça, tu mets ça. Et tu remets ça. C'est un peu ça. Ce qui est compliqué, c'est de faire de la pâte. C'est ce qu'il y a de plus long. Ça, c'est ce qu'on appelle une frangipane. C'est une crème d'amande à laquelle on incorpore de la crème pâtissière. Donc, c'est du beurre, de la poudre d'amande, du sucre, des œufs, dans lequel on rajoute une crème pâtissière que vous avez l'habitude de manger dans les éclairs ou dans ce genre de choses. On l'incorpore dans la frangipane. Et du coup, c'est que frangipane, toi? J'ai une frangipane classique. Donc, déjà, on a les abaisses de feuilletage. Après. Alors, ça, vous qui n'avez pas l'habitude de la cuisine, c'est impressionnant, mais il n'y a aucune technique. Hein. Quoi? Non, il n'y a aucune technique, non. C'est mort. Tu sais que je suis incapable de faire ça. Je sais que t'es incapable, la dernière fois t'as pas réussi. Déjà la poche, tu me l'as mal mise. C'est pas mal ou pas? C'est moins pire que ce que je pensais. Oh, la fève! Bien sûr. Allez!
Et tu m'as dit tout à l'heure en off, tu la mets toujours à gauche. Normalement, on la met soit à droite. En fait, nous, on fait ce qu'on appelle des quarts de tour, se repérer par rapport au feuilletage, parce qu'il faut qu'on mette la galette dans une position différente sur le dessus. Et on fait des marques. Et en gros, on a une marque sur le dessus aussi. Comme ça, et on la met à un quart de tour. Là, juste, t'as rajouté de la frangipane, ça va être une galette Mastar. Donc là, une fois que c'est ça, on la prend. Et après, pour gagner du temps, on a transformé l'arrosoir de mamie. Ah, c'est du jaune d'œuf et tout ? Exactement. Comme on défend, on en a des plaques et des plaques et des plaques et des plaques et des plaques. Pour pas perdre de temps, on met ça là-dedans, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et après, on termine par le rayage. C'est une réelle importance ou pas ? Ou c'est pour faire beau ? C'est pour faire beau. C'est pour faire Zarma, comme dirait. Non. Et toi, t'as une manière de faire particulière ? Moi, je fais une polka. Très simple, efficace. Est-ce qu'il y a du rhum dans ta galette ? Non, je mets pas de rhum dans ma galette. Cocaïne un peu ? Même pas. Une fois que c'est doré comme ça, hop, dans le four. Toi, tu sais où est la fève là ou pas ? Non, pas du tout. Parce que eux, ils avaient des bails, genre le porcelaine, de la cramée. Potentiellement, ça va être ça. C'était un indice, tu vois, qui voulait nous aider. Vous voulez combien de parts ? On va le couper en 8 parce que j'ai mon équipe technique qui me regarde méchamment en plus. Regarde lui au fond. Ah, c'est l'échec. On a rien entendu. Heureusement que c'est pas cette galette là. Ben, non, tu dis un chiffre entre 1 et 10. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiens. On gâche le plaisir aux internautes. À toi. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh non, c'est des gamins, c'est des gamins. C'est des gamins, c'est qu'on était venu que pour le resto. On s'en fout de la fève, arrête de faire contre. Ah non, mais moi je. Même là, je veux la fève, je l'aurais jetée. Moi je suis pas favophile, moi. Non, mais je m'énerve pas, excuse-moi, parce qu'on s'en fout, on est là pour goûter. Je suis sûr que c'est celle que tu voulais en plus. Ouais. Est-ce que ça existe le chin de galette ? Oh, chin, bien joué avec ta galette. Moi je suis obligé de la reposer en plus. Dans les yeux, ouais. C'est dans les yeux, c'est dans les yeux. Dans les yeux, dans les yeux. Ah ouais, rien à voir. Quand même pas la même. Ah, elle est magique. Déjà, moi, je trouve que même la pâte feuilletée, elle est ouf. Mais on l'a vu comment il a fait. C'est incroyable. Il fait 6 côtés, il la retourne 6 fois, il fait plein de trucs. On m'a dit que c'était l'un des trucs le plus dur à faire dans une galette. C'est la pâte feuilletée. C'est pas la frangipane en plus. Tu mets tes doigts dessus, déjà, tu sens qu'elle se. Elle est vachement légère. De ouf. Ça, c'est une vraie galette. Alors, c'est quoi la flemme ? C'est une vache. En fait, elle, j'ai découvert en tant que DJ. Tu as mixé dans la boîte où je. Du petit collet. Je me suis éclaté. Moi, pas non, mal de fois. Bien. Ouais, toi aussi, arrête. T'as reculé. J'ai une chemise. J'ai une chemise, je suis sérieux, ok. Du coup, raconte un peu ce que c'est quoi ta chaîne, toi. Je sais qu'il y a un mélange de plein de trucs. Il y a de la danse, il y a du mix. Ouais, du, en fait, tout. Moi, je suis danseuse et DJ. Et du coup, l'idée, c'était de partager mes deux passions. Et du coup, je présente un vinyle. Donc, je parle de l'album, l'artiste, le label, tout ça. Et la deuxième partie, je danse ou j'invite des danseurs à danser sur la musique. En plus, elle danse grave bien. Elle est danseuse. Mais tu sais, elle danse toute seule. Moi, c'est ça que je trouve fort. Tu sais, quand tu avec des gens, toi t'es dans la rue, tu danses toute seule. Et à Jeun, en plus, tu danses à Jeun, t'as pas besoin d'aller. C'est le seul youtubeur français qui a été au Belize. J'ai vu d'autres chaînes qui y sont allés, mais ils sont pas allés dans les quartiers où je suis allé par contre. Putain, donc t'es plus seul. Je suis plus seul. Et toi, du coup, c'est quoi ton. Parce que toi, je sais qu'à la base, t'es décorateur pour cinéma. Quand j'étais déco, parce que j'ai pas fait que ça dans la vie, mais quand j'étais déco, je m'étais dit, ce serait génial de faire une chaîne YouTube qui parlerait d'histoire, mais d'histoire vivante, où on teste des trucs, on essaye des machins plutôt que de juste raconter des choses. Si c'est à la mode, quelqu'un le fera bien. 4-5 ans après, je me suis rendu compte que personne l'avait fait. Et je me suis dit, allez, j'essaye et on voit ce qui se passe. Et donc, j'ai fait une chaîne où j'avais expliqué pourquoi. Un truc historique fonctionne pas dans un film et je vais montrer en fait que ouais, ça c'est fonctionne vrai que tu vas dans des films des fois et tu. Ouais. Enfin, tu. Donc je vais beaucoup faire ça avec des films, avec des jeux vidéo, avec plein de trucs et je fais vraiment des démonstrations avec du vrai matériel historique pour montrer si ça fonctionne ou pas. On vous présente Didier Bourdon. Bonsoir. Il a joué dans Les Rois Mages. Là il est chaud hein. Et en plus quand t'es venu chez moi t'avais combien d'abonnés ? Je l'avais invité à boire un café à la maison. C'est ça, c'était en mars-avril de mémoire, j'avais 1000, même pas 1000 abonnés je crois. Ah, le mec est arrivé, il a dit fais 10 vidéos et après on en reparle. Je fais d'accord Morgan, c'est non, mais c'était chaud, mais moi je savais direct que ça allait marcher. Et du coup ton objectif c'est de faire YouTube. Ouais, en fait le truc c'est qu'à partir du moment où la chaîne, tu te rends compte qu'elle fonctionne, tu vois, que le principe fonctionne, qu'il y a des gens pour la regarder, tu te dis, ok, est-ce que financièrement derrière ça peut marcher ? Et je suis hyper soutenu, j'ai vraiment une communauté qui est à fond derrière moi. Et puis on a essayé d'emmener un peu l'histoire sur un autre terrain en se disant, allez, on va faire des trucs un peu fous, voilà. Par exemple, cette année, j'ai prévu de faire sauter une pote en corset à l'élastique pour montrer qu'avec des corsets, on peut faire plein de trucs en fait. Et que c'est les excès du corset qui créent la légende. Et on a fait aussi une galette en collaboration avec Nina Métayer. On a fait un caramel de cannelle, un caramel qu'on a déglacé avec des gousses de cannelle. Et après ce caramel-là, on l'a incorporé à la frangipane. On a fait une crème pâtissière à base de ce caramel. Et après, on a fait une frangipane à la cannelle et on a mélangé les deux. Dessus, on a rajouté des amandes brutes. Et après, dessus, il y a une rosace qui symbolise un peu la cathédrale de Notre-Dame. C'est beaucoup de travail. Nina, elle a fait des moules en 3 dimensions, en silicone alimentaire. Et du coup, on a fait les moulée et pré-cuite. Ça c'est quoi comme pâte ? De la tuile. Du coup, la galette on la cuite. C'est hyper beau hein. Du coup, la tuile, on la pose, on va l'enfourner 10 minutes dans le four. Tenez les
gars. Oh. C'est parti. Elle est quand même superbe. Déjà, la première crêpe, elle est chambée. C'est la pâte feuilletée. Oh là, faut que j'arrête avec la crêpe. La première guette, elle est chambée et vraiment la pâte feuilletée, c'est une bombe atomique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Parce que moi, j'ai vu comment tu l'as fait et je sais qu'il y a du taf. Mais la frangipane, bon, elle est très bonne, on le savait, mais la pâte feuilletée, ça fait la diff. Parce que tu la termines jusqu'au bout, personne n'en a laissé. Bonne soirée, merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'accueil. À très bientôt. Donc là, du coup, on va goûter la galette qui est designée par Nina Métayer, qui n'a pas pu être là, mais qui est en collaboration avec The French Bastard. Donc voilà, personne sait où est la fève. Erwan, c'est pour lui. Tu me dis stop. Stop. Bah, c'est la dernière. Moi, je sais pas pourquoi, je sens que c'est toi encore. C'est vrai? Ouais. Il veut plus trinquer. En fait, il nous dit en trinque, mais ça coulait. Et pendant qu'on trinque, il mange comme ça, tu vois. C'est bon. Je n'ai jamais mangé une frangipane comme ça de toute ma vie. Vraiment, je te jure que de toute ma vie. Caramel aussi, non? Un peu, non? Ouais, il y a caramel, crème pâtissière, cannelle et amande à balle, quoi. Elle est incroyable. Et même, genre, tu vois ça, le truc de Notre-Dame, là, goûter ça tout seul, c'est une tuerie. Ah ouais? Ouais, c'est de la tuile. Une tuerie. Ok, ça tue. Même à whisky. En tout cas, ultra bonne. Oh, c'est un kiff. C'est vraiment différent d'une guette lambda. Au niveau du goût, ça n'a rien à voir déjà. Je fais le classique, j'ouvre ça pour voir. Je te dis, on appelle. Il n'y a pas de fèves. Bah, je crois que vous allez tous les trois en vrai. Vous allez tous être dans un resto de ouf. Moi, je suis chaud qu'on fasse une vidéo ensemble sur ta chaîne. Tu veux tester ça? Non, je veux qu'on teste des alcools d'avant. Eh bah, si tu veux. Je suis grave chaud. Eh bah, quand tu veux, en fait. Me mets pas dans ton loop. Hein. Hugo, je vais prendre un peu la cam. Tiens. C'est le milieu pour la mise au point. Ok. En fait, Hugo, quand tu filmes, tu fais juste ça? Parce que c'est chiant, en vrai. Là, j'ai mal au bras. Hein. Pourquoi tu crois qu'on paye des gens en plus de moi? Ah, ouais, c'est vrai. Parce que c'est vraiment chiant. À tour. Ouais! Hugo, t'en fais une. Bravo. Bon, en tout cas, merci à tout le monde d'être venu. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, je cherchais un sujet un peu ouf que tout le monde aime. Et voilà quoi, puis comme j'ai arrêté un peu l'alcool là depuis, ça. On est. C'est la réunion des alcooliques. En vrai, j'ai pas vu depuis samedi. Sur la ville, merci, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'étais là. Merci à tous de vous être déplacés. Merci Thibaut, merci Ben. Merci Benenko, merci Mabiche. C'est son nom de youtubeuse, hein, j'appelle pas, je suis pas. Merci à The French Bastard pour l'invitation. C'était Morgan Vess et toute son équipe en direct de YouTube. Bye.